Yo tout le monde, c'est Blackbird HD. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 1 cette fois-ci. Donc sur la map Havana en domination guerre terrestre 9v9. Dans cette partie j'étais accompagné de AK-99 Zulu, donc Zulu the Camper. Donc dédicace à toi mon petit Zulu. Dans cette partie je jouais au FAMAS double chargeur avec le CZ875 en arme secondaire. Je crois que c'est ça ouais. En atout 1 j'avais implacable pour avoir mes séries plus rapidement, passe-passe pour recharger plus vite et pirate pour pas me faire niquer comme un connard par une putain de clé mort de merde. Donc voilà. Et j'avais le C4 en équipement, la Semtex et la paralysante. Donc voilà. Donc j'ai coupé la... Merde. J'ai coupé le gameplay à la fin parce qu'à la fin je me faisais défoncer un peu, ça m'a cassé les couilles. Pourtant, franchement, vous allez pouvoir voir que je vais bien les enchaîner au début, mais je sais pas, à la fin, on aurait dit que la co, elle avait changé, il y avait un truc trop chelou. Enfin, bref. Donc, vous allez pouvoir voir que je vais avoir mes séries assez rapidement au début. Et voilà, donc c'est un plus de 100 kills sur Black Ops 1, donc sur la map Havana. Donc, je vous avais déjà proposé un plus de 100 kills sur cette map en plus. Et bah, je vous en propose un aujourd'hui, donc j'espère que ça vous plaira. Donc là, j'obtiens mes chiens et mon Yui. Et je vais bientôt lancer mon Yui. Si je me sens bien. Là, j'ai utilisé mon M1911. Hop. Là, je fais une triple, une quad. Hop. Et après, je vais mourir comme un connard. Ah non, je fais encore une double. Enfin, je m'en rappelle plus. Merde. Ah oui, c'est là, voilà. Regardez. Il n'y avait pas le cuté, le mec. Je suis mort comme un con. Enfin, bref. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de la vidéo Maxi Carnage. Donc là au passage regardez le multi-meurtre là, il m'a trop fait kiffer celui-là. Donc on se retrouve pour l'épisode 3 de la vidéo Maxi Carnage. Donc j'espère que vous allez aimer. Je suis désolé si aujourd'hui je fais pas la vidéo tuto, je vous avais promis de la faire aujourd'hui mais j'ai pas. Enfin j'ai eu le temps mais j'ai préféré geeker que faire ma vidéo. Donc désolé, je vous proposerai pardon, la vidéo tuto demain sur mes classes. Donc on se retrouvera demain sur la vidéo classe, plus le tuto déplacement. Donc voilà, j'espère que vous n'êtes pas dessus. Bon, vous avez juste un jour à attendre les gens, c'est pas énorme. C'est pas un truc de fou non plus. Donc voilà, je vous demande un jour d'attente, puis on se retrouvera demain donc pour le tuto déplacement et les classes. Donc... J'ai vu aussi que mon tuto avait fait moins de vues que ma nuque Remington. Bon, je peux comprendre, c'est vrai que les tutos ça peut pas plaire à tout le monde. C'est vrai que la plupart de mes abonnés sont un peu là pour la performance, donc des nucléaires, des plus de 100 kills, tout ça. Donc je peux comprendre que ça fasse moins de vues. Mais ça a quand même fait des vues, donc ça veut dire que ça a quand même plu à certaines personnes. Donc je suis assez content de moi, on va dire. Donc... Je voulais remercier les personnes qui étaient allées pardon, s'abonner à la chaîne de l'Extincteur, donc ça m'a fait très plaisir, j'ai vu qu'il avait pris 30 abonnés, donc encore merci à ceux qui sont allés voir sa chaîne et à qui ça a plu, donc tant mieux j'ai envie de dire. Là au passage j'obtiens mon autre Blackburn, donc je suis content pour toi l'Extinct. Et j'ai vu que tu avais mis une autre vidéo aussi, il faut que j'aille la voir au passage, je suis pas allé la voir encore. Donc là je renvoie en deuxième UI je crois, enfin je sais plus, c'est mon deuxième UI que je renvoie. Donc la vidéo est pas très longue, je crois, quoi, 4-5 minutes. Comme je vous ai dit, j'ai pas mis la fin de gameplay. Tout simplement parce que c'était un peu merdique. J'ai fait un peu de la merde. C'est surtout avec le UI que j'ai fait vraiment beaucoup de kills dans cette partie. Je crois que le premier UI, je sais plus si c'est le premier ou le deuxième UI, j'ai fait 50 kills avec, je crois. Donc franchement, faire 50 kills avec un artillerie hélico sur Black Ops 1, c'est vraiment énorme pour moi. Parce que voilà, c'est carrément vous faites la moitié de votre 100 kills juste avec un killstreak, c'est quand même assez assez impressionnant. Donc voilà, là au passage encore un multi-meurtre. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Bon, désolé pour le commentaire qui est pas terrible. Hein, mais bon. Donc là, je fais du 86-2 et on va se laisser là. Donc n'oubliez pas de laisser un like et un commentaire, ça me fait très plaisir. Moi, je vous dis à demain pour le tuto. Donc j'espère qu'il vous fera plaisir. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc je finis sur un... attendez, le score va s'afficher. Allez. Voilà, du 112. Donc c'est pas trop mal, on va dire.
Donc c'est un combien de ratio? Attendez. Oh ben j'ai pas marqué. Enfin bref. Donc voilà, donc on se retrouve demain pour le tuto.